Le stade de Lusail au Qatar est fin prêt pour son inauguration le 9 septembre prochain. L'enceinte de 80 000 places accueillera 10 rencontres du Mondial 2022 en fin d'année. Du choc du premier tour Cameroun-Brésil le 2 décembre à la grande finale le 18 décembre. Ultra-moderne, le stade de Lusail a intégré dès sa conception un certain nombre de pratiques éco-responsables. Le chef de projet se félicite de la mise en place de systèmes d'économie d'eau ou de climatisation unique. Tout est prêt. Peu de temps avant le lancement du tournoi, tout sera activé. Là, tout autour, il y aura des animations pour les spectateurs. Il y aura évidemment des banderoles et bien d'autres choses encore pour améliorer l'ambiance festive à ce moment-là. La Coupe du Monde 2022 débute dans moins de 100 jours. 7 stades ont déjà été livrés. 6 nouvellement construits. Et le stade Khalifa International, entièrement rénové pour l'occasion.